Rock and Pop Stories. Eagles, Best of My Love, 1974. En cette première moitié des années 70, les Eagles prennent leur envol. Cette réunion de brillants chanteurs et musiciens a marqué des points avec leurs deux premiers albums, l'éponyme Eagles en 72 et Desperado en 73. Ces deux disques ont été produits par Glyn Jones, un Britannique qui a œuvré avec les Beatles, les Who, les Stones, bref, une pointure. Les Eagles, avec un nouveau membre, Dan Felder, sont à l'Olympic Studio de Londres avec Jones pour l'enregistrement de leur troisième album, On the Border. Les points de vue du groupe et du producteur commencent à diverger. Glenn Frey pense que Jones les entraîne trop vers une country gentillette. Ils ont envie de sonner plus rock'n'roll. Ils décident de mettre fin à leur travail avec Glyn Jones et rentrent à la maison pour le reste de l'album avec Bill Simcic à la production au Record Plant Studio de Los Angeles. Issus des sessions londoniennes, vont subsister sur l'album deux chansons, You Never Cry Like a Lover et Best of My Love. D'après Don Henley, Best of My Love est né lors d'un dîner plutôt arrosé dans un restaurant italien de Santa Monica Boulevard, le Dan Tanas, où il a ses habitudes avec ses potes Glenn Frey et J.D. Saucer. Ils ont la trentaine, leurs discussions tournent autour des femmes et comme l'a dit Henley, sont typiques de jeunes gens plus ou moins frustrés. C'est dans cet état d'esprit que naissent les paroles de Best of My Love. Cette chanson, qui va devenir un classique des mariages, est en réalité une chanson de rupture. « You see it your way, and I see it mine, and we both see it slipping away. » Le type a donné tout ce qu'il a pu, mais ça ne fonctionne pas. Frey a expliqué que la partie de guitare lui est venue en travaillant une combinaison d'accords que lui avait montré sa chérie d'alors, Joni Mitchell. Quant à la steel guitare, elle est l'œuvre de Bernie Lydon, l'eagle le plus porté sur la country. Frey refuse que « Best of My Love » devienne un single. Contents de leur choix, plus rock'n'roll, ce sont Already Gone le 19 avril 1974 et James Dean le 14 août suivant qui sont les deux premiers singles. Ils se classent honorablement et l'album publié en quadriphonie depuis le 22 mars entame son ascension dans les charts. Mais un DJ de radio du Michigan change la donne lorsqu'ils se mettent à jouer Best of My Love au lieu des singles officiels. Et ça prend. Pour ne pas louper le coche, le label lance la fabrication de singles et sans la moindre autorisation du groupe, raccourcissent la chanson « C'est mieux pour les radios ». Le groupe est furieux, mais Best of My Love devient leur premier numéro 1 aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. Les trois années qui suivent vont faire des Eagles des superstars. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.